Bonjour à tous et bienvenue dans Indie Critique. Aujourd'hui, on s'attaque à Hammer Watch. Hammer Watch est un jeu développé et édité par Crackshell. C'est un hack and slash action aventure RPG sorti le 12 août 2013. Dans ce jeu, vous avez deux campagnes. La première, c'est le château d'Hammer Watch, où vous devez retrouver vos potes parce que entre l'entrée du château et l'entrée du dédale, il y a un pont en bois. Je suppose qu'il est vieux, donc vous marchez dessus, manque de bol, le pont s'effondre, vous laissant d'un côté et vos alliés de l'autre. Vous devez donc en fait faire tout le château. Monter tous les étages, faire tous les 10 étages, défoncer le boss de fin pour se casser et tout simplement rejoindre vos potes à la sortie. Et la deuxième campagne, c'est le Temple du Soleil. En fait, vous êtes un aventurier qui partait volontairement pour le Temple du Soleil. Vous arrivez et vous allez voir un mec, McCain, qui va vous dire tout simplement qu'il a besoin de vous pour détruire deux mages. Le mage du Temple du Soleil et le mage de la glace, en fait, qui est le mage du Temple de la Lune. Parce que les deux là veulent détruire le monde. C'est-à-dire en fait le mage de glace veut rallier les pouvoirs du mage du soleil pour détruire le monde. Ça change de tous les scénarios qu'on a vu depuis le début dans les RPG. Voilà. Du coup, vous devez tout simplement tuer les deux mages et comme ça, vous allez sauver le monde. Pour cela, vous aurez accès à 6 classes. Le paladin, le sorcier, le voleur, le mage, le ranger et le prêtre. Chacune classe, elles ont 3 compétences magiques, on pourrait dire, et une compétence d'attaque classique, donc ça fait 4 compétences, ainsi que des compétences passives qui sont pour le moins très sympas. Par exemple, pour le sorcier, il y a une compétence très cool, quand vous tuez un ennemi, vous avez une chance de récupérer du mana, ou de la vie, ou même les deux. Ces deux compétences du sorcier, elles sont géniales, les compétences passives là sont géniales. De même que vous avez des compétences qui sont très classes, comme le ranger, il tire des nuées de flèches en tournant sur lui-même, et ça défonce tout le monde dans la zone. Le mage peut faire tomber une pluie de météore, le paladin peut soigner ses alliés et bien entendu peut foncer sur les ennemis et même se mettre à tourner pour défoncer les ennemis. Alors c'est pas vraiment un sort de zone, mais c'est vraiment sympa quand vous êtes encerclé. Et le prêtre tout simplement peut poser des auras qui, quand vous serez dessus, elles vont vous soigner. Et ça c'est vraiment classe. Il peut tout simplement avoir une aura autour de lui qui ralentit et diminue les dégâts des ennemis. Et sinon il a un laser qui vous soigne et qui tatane la gueule des ennemis mais comme pas possible. Pour le point positif, déjà bon, les graphismes, je pourrais pas dire qu'ils sont beaux, je pourrais juste dire qu'ils sont old school. Et ça, c'est vraiment classe. C'est un pixel art environment, comme c'est expliqué bien entendu dans la description du jeu. C'est très bien animé, et en plus c'est en HD. Non, je déconne, c'est pas en HD, mais c'est pas grave, c'est super bien animé, et ça c'est magnifique. L'univers fantastique qu'ils veulent placer dans la description est respecté, et ça franchement, ça c'est bien. Ça c'est vraiment classe. Vous avez aussi la possibilité de jouer de 1 à 4 joueurs. À 4 joueurs, ça devient une boucherie. Déjà que tout seul, vous faites défoncer. À 4 joueurs, bah, si les gens jouent mal, vous allez vous faire défoncer, forcément. Mais si vous jouez bien ou normalement, vous pouvez au moins tenir à 4 et vous allez franchement vous faire plaisir. La durée de vie, elle est assez longue parce que vous avez deux campagnes. Sachant qu'il y en a une qui est beaucoup moins scénarisée, c'est celle du château, mais qui est vraiment longue. Et vous avez l'autre, celle du Temple du Soleil, qui est beaucoup plus scénarisé, mais qui est vraiment moins longue. Voilà. Vous avez une bonne prise en main dès le début, c'est-à-dire que les touches, vous n'allez pas vous faire chier à aller chercher, à vous dire « Ah merde, c'est comme ça, machin. » Comparé à d'autres jeux que j'aurais pu tester, franchement, là, il n'y a pas de problème d'ergonomie. En plus, c'est bien parce qu'on peut changer ses touches, et même les touches de la manette, et ça, c'est cool. Le jeu, il est jouissif, parce que oui, c'est vrai que c'est jouissif, hein, vous avancez, vous tatanez la gueule des ennemis, vous arrivez, quand vous avez la pleine puissance, sans déconner, vous défoncez tout le monde. Vous avez aussi la présence du workshop. Alors, pour le néophyte, qu'est-ce que le workshop? Le workshop, en fait, c'est un truc où vous avez tout simplement le travail des gens qui ont utilisé un éditeur pour le jeu, ou pour le logiciel, ça dépend. Je m'explique. Par exemple, prenez RPG Maker, qui est un logiciel qui permet de développer des RPG facilement, sans prise de tête et sans utiliser trop de code. Il faut quand même en utiliser, mais c'est du code très très simplifié. Et bien en fait, ça là-dessus, les gens, ils peuvent s'amuser à faire leur jeu. Ils font un jeu, machin, et tout, ils se font chier, même carrément créer des scripts pour s'amuser
à mettre des lumières dynamiques, tout ça change rien, hein. Bref, donc ils font leur jeu, ils s'amusent à bien faire leur jeu et tout, et ils le passent sur le workshop. Et c'est là qu'intervient la magie du workshop. En fait, c'est super facile. Quand vous allez liker l'objet, il va être automatiquement téléchargé dans votre jeu. C'est-à-dire que, par exemple, prenons Amroach. Vous voulez avoir la map Ultimate Characters Test, qui est une map pour tester les personnages, donc tester tous leurs coups que j'ai utilisés dans cette vidéo. Tout simplement, vous allez sur Workshop et vous faites « J'aime ». Et elle sera automatiquement téléchargée, installée, sans prise de tête, sans vous faire chier. C'est une révolution dans le monde du modeling. C'est énorme. Ensuite, pour les points négatifs. Alors, on va garder le meilleur pour la fin, hein. Déjà, on a des problèmes récurrents en multi, en ligne. Alors, comment dire ? C'est-à-dire, vous partez, voilà, vous allez jouer, et des fois, votre pote va se téléporter devant vous. Comme ça, on sait pas pourquoi. C'est normal, c'est certains problèmes de connexion. Après, ça, c'est des problèmes mineurs, mais des fois, c'est très chiant quand vous jouez, vous êtes avec un pote, et là, qu'est-ce qui se passe ? Il arrête de bouger, il se déconnecte. Vous êtes tout seul contre une horde d'ennemis. Vous faites comment ? Sachant que vous avez vu de prêtre. Si votre pote jouait prêtre, et si c'est vous qui jouez prêtre, ben vous êtes bien dans la merde. Voilà. Donc ça, c'est un peu dommage. Ensuite, en local, parce que oui, vous pouvez jouer en local si vous avez 3 manettes et un clavier, ou 4 manettes, hein, c'est pareil. Voilà. Ou 2 manettes et 2 claviers, ce qui est complètement con, mais on va dire c'est ça, voilà. Donc, vous avez un problème qui est très chiant en fait. La caméra ne suit qu'un seul joueur. Mais attention, c'est défini particulier, en fait. Je m'explique. Au début, vous allez commencer. Le joueur 1 aura la caméra qui le suit. Si le joueur 1 meurt, la caméra passe automatiquement au joueur 2. Et si le joueur 1 réapparaît, il n'a pas sa caméra. C'est toujours le joueur 2 qui l'a. Si le joueur 2 meurt, cette fois, là, la caméra va suivre le joueur 3. Et si le joueur 3 meurt, ça va suivre le joueur 4. Et après, ça reviendra au joueur 1. En fait, c'est toujours le dernier qui n'est pas mort, dans l'ordre des chiffres du joueur qui suivra. Joueur 1, c'est en premier. S'il meurt en premier, ce sera joueur 2. Si joueur 2 meurt en premier, joueur 1 gardera sa caméra. C'est un peu con, c'est compliqué à comprendre, mais quand même, c'est assez chiant de se dire que la caméra suit qu'un seul joueur, donc s'il y en a un qui a envie de vadrouiller à droite à gauche, et moi il y en a un, il va sortir dans l'écran, et s'il y a des ennemis, il va se faire mais tataner à la tronche hors de l'écran. C'est horrible. Vous avez aussi un problème de repérage, parce que vous avez certes une map. Alors la map, je sais pas si vous allez l'utiliser parce qu'elle cache tout de votre écran. Oui, c'est complètement con d'utiliser la map. Voilà, mais surtout, le pire c'est que vous allez vous déplacer, mais vous ne savez pas où aller parce qu'il n'y a pas de pointeur d'objectif, il n'y a pas de choses à faire, il n'y a pas de, il n'y a rien qui vous dit allez par là, par là. Et c'est, des fois, vous allez tourner en rond pendant des heures jusqu'à vous rendre compte que en fait, fallait faire haut, bas, droite, gauche. Et je peux vous dire que vous êtes deg. Là, au bas, droite, gauche, c'est complètement con, mais... Voilà. Et là, donc, les deux meilleurs pour la fin, le jeu a une difficulté extrêmement mal dosée. Je m'explique. En fait, la difficulté, elle monte, mais elle monte d'une façon particulière. Dès le début, c'est hyper chaud. Quand je dis hyper chaud, c'est hyper chaud. Le premier boss, vous jouez en mode normal, vous sentez passer le premier boss. Hein. Mais même rien que déjà l'étage 3 dans le château Hammerwatch, vous allez mais vous faire défoncer. Mais rien que déjà que l'étage 2, vous faites défoncer. L'étage 1, c'est un peu le truc de la petite lopette. L'étage 2, on commence à partir sur un truc un peu... On est un peu là en mode difficile. L'étage 3, c'est mode hardcore. Hein. Et plus vous allez avancer, en fait, et plus la difficulté va diminuer. C'est-à-dire que la difficulté, en fait, elle ne change pas. Et vous avancez, et vu que vous n'êtes plus fort, à la fin, le jeu est trop facile. Vous arrivez dans une pièce, vous prenez le ranger tout sur lui-même, il tue tout le monde. Il n'y a pas besoin de se faire chier. Les flèches transpercent, tape en double des fois, c'est une compétence passive du ranger, enfin bref, c'est trop facile, c'est vraiment trop facile. Et des fois, vous pouvez aussi tomber sur des IA overcheatés, alors ça m'est déjà arrivé. Le premier boss, en fait, en mode hard, il bouge pas, hein, le premier boss, il lance juste des espèces de boules de poison dégueulasses qui fondent sur votre gueule. Et c'est horrible parce que ça vous fout en poison, bref, bon, ça vous ralentit, machin. Mais surtout, ce qui est abusé, c'est que même le terrain a été fait pour vous faire chier. Parce que, en fait, au-dessus, vous avez déjà des pics, donc si vous rentrez dedans, vous êtes mort d'un coup. Voilà, c'est les pics de la joie. Et bien entendu, vous avez aussi les dispensers. Alors, les dispensers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont tirer plein de boules de feu. Plein de boules de feu et plein de petites flèches.
et ben vous allez prendre cher hein, pendant tout ce boss. Et c'est que le premier boss. Le deuxième boss, il est hardcore. Mais quand je dis hardcore, il est hardcore. Malheureusement, il ne sera pas présent dans cette vidéo, ainsi que le premier boss, parce que j'ai la flemme. En conclusion, le récapitulatif. Donc déjà, en progressif, vous avez l'univers, la durée de vie, la prise en main, la jouissivité, le workshop et l'éditeur de map, qui sont sympas. Ainsi que, bien entendu, la possibilité de jouer à 4 max, parce que je pense qu'à 8, ça doit être vraiment le bordel. Ensuite, dans les points négatifs, vous avez la répétitivité, la difficulté, qui est très, très, très mal dosée. Vous avez les bugs en ligne qui sont pour le moins chiants quand vous jouez avec des potes qui ont une connexion qui n'est pas non plus très très cool parce que vous utilisez les serveurs dédiés d'Hammerwatch et ça c'est vraiment dommage. Vous avez la caméra en local, la caméra en local ça on peut rien y faire, hein, c'est un problème de programmation et c'est très chiant, mais bon, faut bien que la caméra suive quelqu'un. Et puis bien entendu le repérage. Alors, bon, pour moi, le jeu, je trouve que j'ai bien fait de l'acheter, mais je trouve que son prix de 10€, enfin de 9,99€ pour ceux qui aiment bien la précision, il est un peu cher. Personnellement, je l'ai pris pendant les soldes et j'ai bien fait. C'est beaucoup plus intéressant. Même de toute façon, tous les jeux que vous prendrez sur Steam seront beaucoup plus intéressants dans les soldes. Mais quand même, 10€ pour un jeu comme ça, c'est certes, il est bien fait, mais faut pas le prendre si vous êtes vraiment énervé. Si vous avez envie de vous défouler, ne prenez pas ce jeu. Parce que ce sera même l'effet inverse qui va se produire. Vous êtes encore plus frustré et plus énervé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Qu'il y avait un peu de retard. Beaucoup de retard. Extrêmement de retard. Et bien, en fait, c'est normal. C'est parce que j'ai eu des problèmes déjà avec mon micro. J'en avais parlé sur mon Twitter. Mais aussi, j'ai eu des problèmes d'examen. Parce que, oui, j'ai eu beaucoup d'examens ces temps-ci. C'était chiant. C'était long. Et il fallait bien que je révise. J'allais pas non plus me taper une caisse pour sortir une vidéo. Donc, vu que là j'ai pas beaucoup d'abonnés, je me permets de faire ça. Bien entendu, je vais peut-être me grouiller le cul quand même pour vous sortir les épisodes. Et vu que là je suis en vacances, ça fait déjà une semaine que je suis en vacances et que je travaille sur cet épisode, et ben tout simplement, je vais me grouiller le cul pour vous sortir le plus vite possible des épisodes. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fera toujours plaisir. Et si vous avez pas aimé, mettez un j'aime pas, mais là, je serais triste. Ouais, je le fais extrêmement mal, mais c'est pas grave. Bon, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Indie Critique. Critiquer celui-ci avec autant de ferveur que l'ancien et franchement, mais ça je suis trop content d'avoir des gens qui critiquent déjà mes épisodes. C'est, en plus c'est constructif, c'est pas que de la connerie. Et ça c'est bien, et ça c'est bien. Franchement, vous gérez les mecs et les meufs. Vous gérez les mecs et les meufs. Voilà. Et vous remarquerez qu'il n'y a plus de faute d'orthographe jusqu'au générique. Voilà. Allez. Eh bien, c'était bien de terminer. Et donc, à la prochaine dans Indie Critique.